Bonjour, bonjour, comment vous êtes? En forme. Ma fait vidéo en créole parce que li adressé avec public haïtien maintenant. C'est qui ça li? Dès que j'ai fait vidéo ça quelque temps, mais malheureusement pas jamais chance. Je dis après de ma faute de marcher, me tout profiter et graver. C'est qui ça li? C'est un sujet qui est un petit peu délicat. Moi je dis délicat parce que j'ai des bagages pas vraiment inspiré, mais malheureusement qui a privé. C'est qui ça li? C'est que comme nous au courant que moi fait 4 vidéos déjà qui te parlent de process naturalisation, comment lire, comment on va faire pour rentrer là-dedans. Mais dernier jour ça moi recevoir près de 4 à 5 réclamations concernant des haïtiens qui entrent en fait faux documents pour capable naturaliser. Moi tout la gueule comme ça m'a pas passer ce côté me dit qui ça lié sujet là, c'est ça. Mes amis, et moi connais grand pile monde qui besoin quitter Brésil, grand pile monde qui besoin naturaliser soit pour capable plus intégrer dans société brésilienne, gens que me toujours dit qui c'est un bon bagage, OK? Pour naturaliser pour capable besoin plus privilège parce que ça c'est pas seulement Brésil, quel que soit pays où aller, États-Unis, Canada, Mexique, quel que soit pays, il y a des pour là. Dès que vous avez une chance pour plus de documents légaux, vous avez plus de droits, vous n'avez pas comme vous. Pas de mal à naturaliser. Pour qui vous avez dit nous, soit disant à cause de la religion, c'est l'autre, pas de ça. Okay? Mais par contre, si vous avez un processus, faites bien. Pourquoi vous dites faites bien? Parce que vous avez des conséquences. Les conséquences sont capables pour vous, parce que vous avez des fois que vous avez naturalisé, et pas été Brésil, qui sont pas mal tous, pas été Brésil, parce qu'il n'y a pas de monde qui dit faut qu'on été Brésil. Mon arrêté Brésil parce que le voulait, parce que j'ai une opportunité. Mais si pas une opportunité, la fille pas la gué. Ok? Ça veut dire pas contre quel monde qui est Brésil. Toujours abdi ça. Dans toutes les paroles avec quel que soit mon nom. Ça veut dire mon arrêté doual, mon n'a pas quelqu'un en rien qui dit qu'il faut qu'il est obligé d'être preso. Mais abdi comme c'est emprisonné dans le local côté de l'île. Même jour qui était pays où, ou capable quitter Brésil, ou capable quitter Brésil à l'Argentine, ou capable quitter l'Argentine aux États-Unis, ou capable quitter les États-Unis à l'autre pays. Mais par contre, et fait que tout ça n'a fait le bien. Parce que nous avons l'autre monde qui est capable de souffrir à cause de un mauvais calcul, à cause de un mauvais calcul que nous faisons, l'autre est capable de souffrir. Par exemple, il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas, à cause de manque de temps parfois, à cause de manque de volonté, parce que les jeunes qui ont plus de 10 ans au Brésil, et ils disent qu'ils prennent un faux document. Surtout, qui est-ce qui faut document? Ce n'est pas faux document casé d'ici, ce n'est pas ça. Faux document, par exemple, document qui prouve que vous parlez portugais. Okay? Normalement, comme nous connaissons que le processus, c'est un processus qui est online, on fait tout le processus initial online. Seulement, les que vous prenez pour faire biométrie, ça crée l'étape biométrie pour vous et le dossier à la justice brésilienne, c'est les que vous avez pour aller porter tout document online là, pour vous le bail, pour porter comme si impresso, ça, comme si vous le imprimer pour voter dans. Police fédérale. C'est là que il y a les jeunes que majorité de monde c'est des faux documents. Yo bay. Faux documents. Par exemple, faux documents EJA, faux documents ensino médio, faux documents certificat portugais, etc. Nous connaissons que deux documents toujours dit qui plus difficile entre besoin d'une procédure de naturalisation après le fin de 4 ans Brésil résidé ou bien tout le monde qui réduit là avec 1 an. C'est casier judiciaire Haïti, supposé. Passer dans la justice, supposé passer dans l'affaire étrangère, qui suppose qu'il y a son ambassade Brésil. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, si vous regardez, nous allons regarder. Okay? Mais il y a un autre document qui est important, qui est le document qui peut vous parler portugais. J'ai déjà parlé sur ça déjà. Il y a un pile de certificats qui sont acceptés, mais il y a un pile de tout qui sont acceptés. Okay? Si vous faites un cours portugais qui est dédié pour immigrants dans une université qui est reconnue par MECI, qui est le ministère de l'Éducation Brésil, ou bien tout droit ou capable demander quand tu fais le portugais ou demander une déclaration qui prouve que tu fais le portugais ça et tu fais des examens que ou gain note là et ou gain date examen yo et dès que gain dossier ça tout détail ça ou capable entrer dans le processus de naturalisation sans problème. Donc pas aucune raison qui définit que obligé à faire document d'accord qu'on est un grand qui pressé etc. Mais pendant ce temps pressé il va pas aucun côté, ça veut dire c'est vraiment un bagage qui est important nous peser sur ça pour nous. Mais par contre comme si faux documents, la majorité là-dedans, c'est des zones qui n'ont pas même pour écouter qui c'est Santa Catarina, mais en plus de la fois, c'est Minas Gerais, São Paulo, qui c'est, je ne sais pas si c'est une institution qui baille mon faux document, ou bien tout si c'est pays ou pays ou acquitté, parce que le Brésil, il y a un pile de monde qui a baillé ça, ou les golpes en portugais, qui c'est des gens qui ont volé, qui ont fait. Et là, qui a pris l'argent d'une façon intelligente, côté que mon nom lui-même ne peut pas attendre, qu'on ne peut pas conseiller l'argent là-bas, ok? Il y a plusieurs monde, pas pour citer non et puis ça pas il pas fait, pas pour dire qu'il y a monde etc. Mais il y a plein de monde qui après il a fini jeune dans faux document, il est entré en contact avec lui, il désespéré ce concernant de qui ça doit faire. Pour qui est-ce? Parce que si il y a monde qui pas de compte ça, m'a tout dire ça, OK? Si que
ou son qui gêne, comme si vous voulez entrer dans la position de l'organisation, ou des possibilités de vont entrer long coup, faire un coup quelconque. OK, capable de coup portugais. Quel coup portugais est ou capable faire coup? Je t'ai déjà parlé de ça. Par exemple, l'université qui est UCS, qui c'est UCS, qui c'est l'université de Caxias do Sul, ou capable faire coup online et puis ça moi faire examen, hein, son examen présentiel et puis de passer sauf que l'université m'a donné un l'argent, il m'a donné un frais pour ça. OK? Par exemple, l'université Columbia fait des coups gratuits mais sauf que coup ça la majorité là-dedans c'est pas online, c'est des coups présentiels. Ça veut dire faut quoi vivre chaque corps ou bien toi vivre dans une ville côté qui investit ça lié. Ça veut dire pour faire coup ça. Donc mes amis, fais ça. Bon, c'est là encore mieux pour nous. Pour qui? Parce que si que nous faisons faute et aucun ben nous en faute, si pas aucun ben nous ultime, mais si aucun ben nous en faute, là qui ça peut passer? Nous allons gagner des peines. Peines qui s'allient, c'est que y a qu'un seul résidence, y a qu'un seul résidence brisé de gain qui était 10 ans, qui était 4 ans, qui était 5 ans, qui était indéterminé. Y a qu'un seul résidence ou un. Qui ça veut dire? Là aucun seul résidence. Là aucun seul résidence. C'est comme si, c'est comme si vous faites atterrir Brésil et sans visa. Et ça pourrait avoir un protocole réfugié. Ça veut dire comme si on demande réfugié comme Brésil, nous connaissons un pays qui pas facile déporter immigrants, surtout haïtiens. Donc il y a baou un accès pour capable rester dans le territoire mais seulement cependant, on pas résidence encore. Là ça pourrait obligé recommencer à zéro puis devant tout ça qui arrive au bon chance bon résidence 2 ans après protocole là et puis ça qui arrive obligé retourner encore n'importe 4 ans sous pas gain petit Brésil ou bien tout obligé retourner en l'autre 3 ans environ, on dit 4 ans, pas 6 ans, après ça 3 ans quoi, pour capable retenter dans le processus de naturalisation. Mais pas oublier, non, t'es dans la salle déjà. Le système n'a pas été recruté par un faux document. Ça veut dire que plus serré le processus. Donc, ça que je veux dire dans la vidéo, ça, c'est pour nous prudents en pile. Ok, je fais une vidéo, ça, je dis surtout avec Haïti qui Brésil toujours, Haïti qui voulait entrer dans le processus de naturalisation. Parce que, je connais que petit capitulé ici, c'est une bagarre qui toujours fait peur parce que chaque processus la vie plus difficile, moi inquiété parce que grand pile monde qui fin naturaliser pour lagué yo et puis on a la monde qui rete yo, c'est pas exemple monde ça té mal fait processus, monde ça yo même, yo va le payer pour casser, OK? Moi comme toujours dis, on pas changer mode là, on pas gagner de changer mode, mais cependant, moi pense que quelques grain monde qui peut-être qu'on parler avec ou qui abonné à vachement et qui veut entrer dans processus naturalisation, pense cette vidéo ça va peut-être capable aider nous pour nous pas tomber dans quelque chouboum. Grand pile monde qui a fait et surtout une vidéo m'ta aimer faire parler de tout c'est concernant des avocats qui en prend comme haïtien dans Brésil dans concernant le processus de naturalisation. Ça sont l'autre vidéo li m'ta supposé faire une vidéo m'parler de ça. OK, mais mes amis, prudent parce que bah c'est pas facile, l'argent pas facile et mais cependant tout et opportunité comme si bat pour faire bagaille bien. Moi même fait processus de naturalisation, j'aime toujours dire m'pas prendre avocat, m'd faire pour compte moi et ça t'est marché, m'd réussi sans problème. OK, je vais faire une vidéo pour parler de ça concernant le processus de naturalisation et pour est-ce que besoin pour avocat ou non, OK?